Séquence émotion ce lundi 23 août sur M6. Et pour cause, la sixième chaîne diffusait un épisode inédit de Que sont-ils devenus de l'amour et dans le pré. L'occasion de faire le bilan avec de nombreux candidats ayant participé aux diverses saisons. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'amour était bel et bien au rendez-vous. Pour Mathieu et Alexandre. L'émission phare de M6 a été vécue comme une bénédiction. En effet, les deux tourtereaux se sont mariés le 26 juin 2021 devant une Karine Le Marchand très émue. Et pour cause, l'animatrice a joué un grand rôle dans leur union. Les parents de Mathieu étaient malheureusement souffrants au moment de son mariage. Une triste nouvelle à laquelle l'agriculteur a décidé de pallier en demandant à Karine Le Marchand de l'accompagner à l'hôtel. Il y a eu également la révélation du sexe de l'enfant qu'attend Lucille, en couple avec Jérôme. En effet, lors de l'émission, l'animatrice a appris que le couple allait avoir une petite fille. Un moment très émouvant pour le couple mais aussi pour Karine Le Marchand qui voit au fur et à mesure l'évolution des couples ayant participé au programme. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas encore trouvé chaussures à leurs pieds. C'est le cas d'Emeric. En 2018, de nombreux téléspectateurs avaient littéralement craqué devant la beauté et la gentillesse de cet apiculteur breton. S'il avait eu un coup de cœur pour Lucie, ce dernier avait rapidement mis un terme à sa relation. Toujours célibataire, Emeric a pu participer au mariage de Mathieu et Alexandre. Lors duquel il a retrouvé Karine Le Marchand qui en a d'ailleurs profité pour lui faire une petite demande particulière, « On se marie ?» lui demande l'animatrice. Une question à laquelle Emeric n'a pas répondu par la négative. Depuis le temps qu'on tergiverse. « On va se marier ?» renchérit-elle. « Bah oui, allez on y va. Moi ça ne me dérange pas. » Un nouveau couple dans l'amour et dans le pré,